Nous sommes en Belgique, le 16 juin 1815. Dans les plaines de Wallonie, à quelques kilomètres seulement de Charleroi. 60 000 Français engagent 90 000 Prussiens dans les environs de Ligny. En infériorité numérique, la bataille tourne pourtant à l'avantage de l'empereur qui manque de peu d'écraser les défenseurs. Et pendant ce temps, à 10 km au nord-ouest, le maréchal Ney retient 38 000 anglo-néerlandais avec seulement 20 000 hommes. Malgré ce rapport de force extrêmement défavorable, Napoléon remporte la première manche de la campagne. Il évite la jonction de l'armée alliée et garde l'initiative alors qu'il est à 1 contre 2 sur le théâtre d'opération. Pour la seconde manche, il demande à Grouchy de poursuivre les Prussiens, qui, pense-t-il, se sont enfuis vers Namur. Quant à lui, avec 75 000 hommes, il veut affronter Wellington qui s'est arrêté sur un plateau. Mais sans le savoir, il s'apprête à engager la bataille alors que le rapport de force est de 3 contre 5. Blücher n'est pas parti vers Namur, il est parti vers Wavre, à seulement 16 km de Waterloo. De toute façon, Napoléon pense qu'il n'a pas le choix. En Europe, 800 000 hommes sont en train de marcher contre lui. D'autant plus que la révolte gronde en Gironde, dans le sud et en Bretagne, où les royalistes sont prêts à tout pour aider l'envahisseur. Bref, Napoléon sait qu'il joue sa dernière carte. Et comme si le sort lui signifiait qu'il était au bord de la chute, il sent que son corps l'abandonne. La tête, l'estomac, les douleurs insupportables. Comment sa maladie va-t-elle affecter le cours de la guerre? Quelles seront les conséquences de l'absence de l'empereur, alors que 200 000 hommes s'apprêtent à jouer le sort de la France, dans la bataille de Waterloo? Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Napoléon Souvenir. Que vous soyez collectionneur ou désireux d'enrichir vos connaissances, découvrez dès maintenant leur catalogue sur le Premier Empire. N'hésitez pas à visiter leur site internet, en cliquant sur le lien dans la section des commentaires, ou à vous rendre directement dans la boutique Napoléon, située à Paris. Mais revenons à notre histoire. Le 17 juin 1815, à 19h30, Napoléon arrive en vue de Wellington. Pour lui, il faudrait sans tarder déclencher l'offensive, car les Anglais, pense-t-il, ne peuvent pas lui résister. Son état-major tente pourtant de le mettre en garde. Il vante notamment les qualités défensives du Britannique. Mais l'empereur est sûr de son coup. Il faut attaquer, attaquer les Anglo-Néerlandais avant qu'ils n'aient le temps de renforcer leurs avant-postes. Problème, la pluie ne s'arrête pas. La poudre est mouillée. Les hommes sont épuisés après une journée de marche. Un peu à contre-cœur, Napoléon reporte l'offensive au lendemain. Côté britannique, l'état-major est plutôt inquiet. Il ne faut pas sous-estimer la crainte des militaires de l'époque qui redoutent un face-à-face avec Napoléon. Rappelez-vous de Schwarzenberg? Rappelez-vous de Barclay? Rappelez-vous de la campagne de France où Napoléon a fait fuir un ennemi pourtant 4 fois plus nombreux que lui? Wellington n'ignore pas la supériorité de l'adversaire. La présence de l'empereur fait une différence de 40 000 hommes. Martèle-t-il à ses généraux? 70 000 anglo-néerlandais? Contre 75 000 Français, plus 40 000 théoriques, parce que le dieu de la guerre est avec eux? Le risque de se faire écraser est important et les Britanniques considèrent l'option de la retraite. Deuxième choix possible, rester et faire face aux Français. Les Britanniques n'ont pas non plus à rougir de leur expérience. 6 ans de lutte en Espagne les ont rompus à l'art de la guerre contre les armées impériales. Et même si les vétérans britanniques ne sont pas très nombreux, à peine 30% des effectifs, ils ont pour eux un terrain très favorable que Wellington peut maximiser. Si vous regardez bien, la ligne anglo-alliée épouse une forme discontinue. Pour cause, tous les hommes sont rangés derrière la ligne de crête, c'est-à-dire le sommet de la colline, afin d'être à l'abri des tirs de canon ennemis. Ils sont aussi planqués dans les hautes herbes, accroupis dans les champs de blé, l'objectif étant d'encourager l'agresseur à s'approcher. Lorsqu'il sera suffisamment proche, les soldats surgiront alors comme un seul homme pour faire feu depuis la crête. Par contre, si jamais les Français résistent et qu'ils s'emparent de la position, les Britanniques seraient pris au piège. Surtout que les Français d'aujourd'hui ne sont pas ceux que les Anglais ont combattus en Espagne, avec la guérilla qui sapait le moral de leur ennemi. Alors quelle option choisir? Rester? Partir?
Le Britannique hésite. Puis le 18 juin, vers 2h du matin, Wellington reçoit un courrier du feld-maréchal Blücher. Le second informe le premier de sa venue prochaine avec 50 000 hommes en renfort. Cela suffit aux Britanniques pour se fixer à Waterloo. Côté français, le plan est tout simplement de s'ouvrir la route de Bruxelles. Napoléon envoie une lettre au maréchal Grouchy. Ce dernier doit manœuvrer en conséquence des mouvements de Blücher. Mais le maréchal se rend compte que les Prussiens ne sont pas partis vers Namur, mais vers Wavre. À 4h du matin, il prévient l'empereur de son erreur et lui indique qu'il a bifurqué afin d'éviter, écrit-il, la jonction de Blücher et Wellington. Malade, Napoléon ne répond pas. Il n'est pas inquiet, et Wellington sera l'affaire d'un déjeuner, dit-il à ses généraux. Ce soir, nous serons à Bruxelles. Bref, les dés sont jetés sur la table. Chaque soldat est logé à la même enseigne. Assis par terre, couché dans la boue, allongé sous une pluie battante qui vous frigorifie les membres. Est-ce que les hommes savent pourquoi ils vont mourir ? Le jeu politique des grandes puissances n'a qu'un seul but. Écraser Napoléon, écraser la Révolution, effacer 25 ans d'hégémonie française afin de promouvoir l'équilibre des forces. Et pour la France, comme nous l'avions vu, Talleyrand veut un retour à la monarchie sous le contrôle des libéraux. Mais tous ces projets ne sont possibles que si Napoléon est écrasé. Voilà pourquoi Wellington doit tenir face aux Français. Voilà pourquoi il doit résister, à n'importe quel prix, aux assauts de son ennemi. Vers 8h, la pluie s'arrête enfin. On distribue du pain, on attend que le sol sèche, on fait charger les fusils. Quand tout à coup, vers 11h, la bataille commence. Nous sommes près du Mont-Saint-Jean, le 18 juin 1815, vers 11h du matin. Alors que la pluie avait gagné de précieuses minutes à Wellington, le Britannique prépare ses hommes à la bataille. Sa stratégie est la suivante. Tenir le plus longtemps possible, tenir jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens qui ont promis de lui venir en aide. Pour augmenter ses chances, Wellington a fortifié trois avant-postes devant sa ligne. La ferme d'Hougoumont, la ferme de la Haie Sainte, la ferme de Papelotte. Napoléon n'aura pas d'autre choix que de s'en emparer s'il veut continuer sa route. Ensuite, les Français devront monter à l'assaut de la ligne de crête, où comme nous l'avons vu, les défenseurs seront protégés par le relief. Le temps que l'empereur s'acharne sur les trois fermes, le temps qu'il emporte la colline du Mont-Saint-Jean, Blücher pourra venir flanquer les Français sur leur droite et remporter la victoire. De l'autre côté, l'empereur veut faire diversion sur la gauche en envoyant une des trois divisions du deuxième corps sur Hougoumont. Ensuite, les deux autres divisions du deuxième devront assister le premier corps afin d'enfoncer le centre de l'ennemi. Quant à la menace prussienne, Napoléon est persuadé que Grouchy tient Blücher à distance. Le problème, c'est que le second a quitté Wavre dès les premiers rayons de soleil. Le français, lui, est parti après le petit déjeuner. À un moment si crucial de l'histoire, le manque de rigueur du maréchal pourrait coûter très cher à l'empereur. Quoi qu'il en soit, à 11h30, l'armée du Nord s'exécute. Sur la gauche, la ferme d'Hougoumont est assaillie par la division Baudouin. Tenue par des Allemands, qui auparavant combattaient pour la Grande Armée, le bois qui borde l'avant-poste est férocement défendu. Heureusement pour les défenseurs, les Français font un peu n'importe quoi dans leur offensive. Dirigés par le frère de Napoléon, Jérôme Bonaparte, qui n'est pas un militaire, il n'a même pas bombardé l'ennemi avant d'envoyer l'infanterie. Si la division s'empare de la position en 40 minutes, elle subit des pertes irremplaçables. Mais aussi, pourquoi laisser un civil diriger des opérations militaires ? Dans un climat de guerre civile, Napoléon veut montrer que les Bonaparte valent mieux que les Bourbons. Mais le frère de l'empereur n'a pas l'étoffe d'un chef de guerre. Il ne veut pas suivre les conseils de ses généraux, comme Rey, qui lui rappelle l'art de la guerre. Pour le Bonaparte, l'important c'est de s'illustrer en faisant tomber la ferme le plus rapidement possible. Et dans ce contexte, les canons sont un peu une perte de temps. À 12h30, Wellington réagit promptement. Il envoie la garde anglaise,
les Coldstream Guards, ainsi que la garde écossaise et les Scots Guards. Ils ont pour mission de tenir coûte que coûte cet avant-poste. La division Baudouin recule, elle se regroupe dans les bois, elle est assaillie de toutes parts, mais elle tient sa position. Autrement dit, Napoléon réussit parfaitement sa diversion. Les meilleurs éléments du Britannique sont partis sur la gauche au moment même où les Français planifient une grande offensive sur le centre. Ce que l'empereur ne sait pas encore, c'est que son frère va faire échouer ses plans dans les heures qui vont suivre. Ainsi, vers 12h45, et malgré les errements de Jérôme sur la gauche, le plan se déroule comme prévu côté français. Le maréchal Ney déploie 80 canons devant l'ennemi, il indique la cible à ses artilleurs, ces derniers déclenchent alors le feu, et d'un seul coup, la bataille prend une autre dimension. Peu avant 13h, 80 canons français tirent à boulet rouge à raison de plusieurs coups par minute. Le tumulte est tellement violent, il est tellement intense, il est tellement acharné qu'on n'entend plus qu'un roulement de feu à des kilomètres à la ronde. Pourtant, les artilleurs français ont bien du mal à toucher leur ennemi. Normalement, un boulet est censé rebondir sur le terrain. S'il n'a pas atteint sa cible au premier impact, alors il l'atteint au deuxième, au troisième ou au quatrième. Mais à Waterloo, le sol est encore trempé après un jour de pluie. Résultat, les boulets s'enfoncent dans le sol. Et puisque l'empereur a besoin d'un triomphe extrêmement rapide, il s'acharne sur un ennemi qu'il ne peut atteindre. À 13h, alors que l'empereur constate son échec à la longue vue, un éclaireur vient le trouver. Semble-t-il, affirme le soldat, que des Prussiens sont apparus derrière le bois de Paris. Mais alors, si les dires de l'éclaireur sont vrais, c'est qu'un terrible danger menace les Français. Et d'un seul coup, l'esprit de l'état-major se prend d'une épouvante. Où est Grouchy? Où est le maréchal et ses 30 000 hommes? Ne devait-il pas empêcher Blücher de se réunir à Wellington? La stupeur est à ce point que Napoléon considère l'option de la retraite. Cependant, la fuite aurait des conséquences absolument terribles en politique intérieure. Napoléon voudrait alors brandir son sabre, s'afficher sur son destrier pour mener bataille. Mais la maladie refait surface. La tête, l'estomac, les hémorroïdes aussi. Une maladie très fréquente chez les cavaliers. Le souverain est complètement indisposé et donne le commandement général au maréchal Ney. À 13h30, le premier corps de d'Erlon se met en mouvement. 14 000 hommes montent à l'assaut du plateau, 6 000 autres se portent sur Papelotte et la Haie Sainte. Au cri de « Vive l'Empereur !», les hommes emportent tout sur leur passage. Seule la Haie Sainte résiste encore, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme prévu par Napoléon, deux divisions du deuxième corps doivent se porter vers l'avant, ce qui permettrait au maréchal Ney de s'emparer du bastion. Problème, à 14h, Jérôme n'a pas fini de s'acharner contre Gaumont. Alors que les Britanniques ont pris l'avantage et que la division Baudouin est mal en point, le frère de l'empereur aurait pu s'arrêter là. Mais pour une raison difficilement concevable, Jérôme envoie une deuxième division à l'assaut de Gaumont alors qu'elle devait soutenir la droite de l'armée. Résultat, des pertes inutiles, des Anglais héroïques qui résistent à 1 contre 3, et des camarades qui se retrouvent bien seuls à l'assaut du Mont-Saint-Jean, au moment même où l'ennemi contre-attaque. En effet, la stratégie de la ligne de crête a complètement échoué pour les défenseurs. Le général Picton se dégage avec une charge de cavalerie, mais les Anglo-Néerlandais vont trop loin. Ils se font dépecer par la grande batterie, puis les lanciers légers les massacrent. Si Drouet d'Erlon perd un quart de ses hommes, Wellington perd toute sa cavalerie lourde, ce qui est encore plus grave. Vers 14h30, la partie peut basculer d'un côté comme de l'autre. Surtout que les artilleurs français ont ajusté leurs tirs, qu'ils sont désormais plus efficaces, plus meurtriers et font des ravages dans le camp d'en face. C'est aussi que le temps presse. Dans une heure, deux au grand maximum, les Prussiens formeront les bataillons sur la droite. Napoléon ne baisse pas les bras. Le 6e corps est envoyé entre Hanotley et Frischermont, devra se maintenir ici jusqu'à l'arrivée de Grouchy. Quant à Wellington, il faut percer sa ligne avec le soutien de la garde. Mais avant, l'empereur a besoin de s'emparer de la Haie Sainte. Il exige aussi que son frère bombarde Gaumont au lieu d'attaquer avec la seule infanterie. Bref, il est temps de remettre de l'ordre, car c'est l'avenir de l'Empire qui se joue dans cette bataille.
À 15h30, les Français repartent à l'attaque. Mais il n'y a rien à faire. Les Allemands sur la S1 sont intraitables. La garde anglo-écossaise sur Hougoumont est inébranlable. L'heure tourne. Les Anglo-Alliés ne sont pas rompus. Les Prussiens sont de plus en plus nombreux devant le bois de Paris. Et toujours pas de nouvelles de Grouchy. À 16h, peut-être que le destin se décide à choisir un camp. À cause de la fumée qui fait qu'on n'y voit plus rien. À cause de la grande batterie qui pousse Wellington à mettre ses hommes à l'abri. À cause des blessés qui sont évacués des avant-postes. À cause de la pression d'une bataille qu'il faut gagner dans la précipitation. Le maréchal Ney pense que le Britannique est brisé. Il est persuadé que l'ennemi bat en retraite et qu'une charge de cavalerie donnera la victoire à l'empereur. Sans tarder, et alors même que Napoléon s'apprête à relancer l'assaut avec l'infanterie, le brave des braves fait réunir la cavalerie. Côté britannique, personne ne s'attend à voir débouler les cavaliers. Un soldat anglais, dont on a perdu le nom, nous raconte qu'à 16h, tout le monde était rangé en ligne. Lui, il était à côté d'un vétéran qui fumait une pipe en terre. Ce dernier lui racontait des histoires à n'en plus finir, mais tout le monde était prêt. Tout le monde était calme. Le sergent qui passait là pour inspecter les troupes s'était même arrêté, devant lui, pour exiger un peu de tenue. Quand tout à coup, nous raconte le Britannique, la terre se mit à trembler. C'était comme si, continue-t-il, comme si le tonnerre grondait dans le sol. Puis il leva la tête et n'en crut pas ses yeux. D'un instant à l'autre, des milliers de cuirassiers surgissent depuis la colline du plateau. Le témoin tente de décrire ce qu'il voit. Une mer d'acier, une mer de casques, une mer de sabres et de cuirasses qui brillaient de mille feux. Le Britannique n'a pas de mots. Effet hypnotique. Des lames d'acier sorties droit des enfers qui avançaient vers nous en hurlant « Vive l'Empereur !» Immédiatement, la panique s'empare des rangs britanniques. Face à la cavalerie, l'infanterie ne doit surtout pas rester en ligne. Les officiers font alors former les carrés, sur 4 rangs, 20 mètres sur 20 mètres, de 500 hommes chacun. L'avantage du carré, c'est que les soldats présentent aux cavaliers un amas de fer, de piques et de baïonnettes. Impossible donc pour un cheval de se jeter sur les défenseurs. L'instinct de survie de l'animal est toujours plus fort que la volonté du maître. Bref, tel est bien pris qu'il croyait prendre. Le maréchal Ney et ses 3000 hommes à cheval pensaient surprendre les Anglais. Eh bien c'est raté. La moitié de la cavalerie française se retrouve prise au piège. Le feu creusé, les pluies de balles, les volets de mitraille, les cuirassiers se font dépecer les uns après les autres. Pourtant, le maréchal Ney ne démérite pas. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais quatre chevaux qu'il a tués sous lui. Et à chaque fois il en redemande un. Et à chaque fois il repart à la charge. Pour autant, l'initiative de Ney fait plus de mal à l'empereur qu'à Wellington. C'est trop tôt d'une heure, s'exclame Napoléon. Il aurait fallu d'abord attaquer avec l'infanterie. Mais le mal est fait et on ne peut revenir en arrière. À 16h30, les premiers Prussiens se mettent en ligne. D'ici une heure, peut-être moins, les Français seront débordés sur la droite. Sentant qu'ils jouent le tout pour le tout, Napoléon décide d'appuyer l'effort de Ney. Puisqu'il a commencé, alors il faut finir. La cavalerie de réserve rejoint donc le maréchal, puis les cuirassés chargent, chargent, chargent et chargent encore. Les carrés sont sur le point de se briser, mais 13 charges n'auront pas raison de leur résistance. C'est alors que la bataille devient confuse. Pensant que les Britanniques sont sur le point de rompre, Ney fait monter l'infanterie du 2e corps à l'assaut du plateau. Mais ces cavaliers n'ont même pas pensé à détruire les canons de leur ennemi. C'est pourtant la première chose à faire quand on capture une batterie. Résultat, l'assaut du 2e corps échoue. L'assaut du 1er, complètement désynchronisé, ne fait pas mieux. Et la grande batterie tire davantage dans la colline que sur les soldats de Wellington. Rien n'est coordonné. Rien n'est fait correctement. Et désormais, Blücher passe à l'offensive. À 17h30, les troupes du 6e corps sont submergées par le nombre. Ils sont environ 6000, les Prussiens sont à peu près 10 000, c'est carrément du tout contraint et à 18h la ligne craque. Devant l'agressivité de Blücher, qui veut enfoncer le flanc des Français pour rendre leur retraite impossible, les hommes se replient entre Papelotte et Plancenoit. Du haut de sa colline, l'empereur oublie donc sa maladie pour pallier la catastrophe qui prend forme.
petit plan sous ma tombe, c'est la fin de l'Empire. Bien sûr, Napoléon espère toujours l'arrivée de Grouchy par le sud-est. Mais pour l'instant, on est toujours sans nouvelles du maréchal. Devant l'urgence, le souverain envoie donc la jeune garde sur Plancenoit pour reprendre le village. Elle rétablit l'équilibre, les combats sont féroces, le village prend feu mais ça tient bon. Par contre, il faut absolument débloquer la situation sur le front nord. Le maréchal Ney doit s'emparer de la Haie Sainte à n'importe quel prix. S'exécutant, le brave des braves en fait une affaire personnelle. À 18h toujours, il fait avancer la grande batterie à seulement 200 mètres des lignes ennemies. Infatigable, increvable, indispensable. Après avoir mené par 13 fois la cavalerie, le maréchal mène l'assaut de l'infanterie sur le bastion. La ferme est pilonnée, elle est bombardée, puis Ney se met lui-même à l'exercice pour montrer l'exemple. S'il a fait des erreurs pendant la bataille, il montre encore qu'aucune armée ne saurait se passer de lui, tant il est implacable. À 18h30, la ferme est aux mains des Français. En revanche, sur Plancenoit, les Prussiens ont reçu des renforts. À 19h15, Napoléon sort donc les grands moyens. Deux divisions de la vieille garde sont envoyées à la rescousse. Les vétérans reprennent la position puis enfoncent les lignes. À 19h30, la situation est parfaitement équilibrée. C'est donc le moment pour l'empereur de jouer son va-tout. Sa dernière carte, son joker. Mais cela, il faut le faire extrêmement rapidement car Blücher est en route avec 30 000 hommes supplémentaires. À ce moment crucial de l'histoire, Napoléon est persuadé qu'il peut encore l'emporter. Grouchy arrive avec 30 000 hommes aussi, dit-il à son armée. La garde, à l'assaut des Anglo-Néerlandais. Grouchy, à l'assaut des Prussiens. D'ailleurs, le Britannique craint que la situation ne tourne à la catastrophe. Donnez-moi Blücher, dit-il à ses officiers. Ou donnez-moi la nuit. Sur le champ de bataille du Mont-Saint-Jean, à 19h30, Napoléon décide de jouer son va-tout. Sa dernière chance, envoyer la garde contre les Anglo-Néerlandais en attendant que Grouchy débarque par le sud-est. Si l'opération est réussie, les divisions du 2e et du 1er corps pourront finir le travail. Mais dans l'esprit des soldats, le succès de la garde ne fait pas l'ombre d'un doute. La garde, ce sont les vétérans. Parmi eux, des survivants de la campagne de Russie. S'ils ont repoussé les Russes à Krasnoï par moins 30 degrés, s'ils ont tenu le pont à la Bérézina, c'est qu'ils sont invincibles. À 20h, la garde arrive sur place. Elle monte la colline. Elle fonce. Elle enfonce. Mais sa mission est impossible. Une division néerlandaise qui n'a pas encore combattu tient le choc. Et d'un seul coup, une stupeur s'empare de l'armée française. On pensait que cela n'arriverait jamais. Mais si. La garde. Elle recule. Lorsque le mot court dans les rangs que la garde a été vaincue, les soldats qui préparaient la seconde vague s'enfuient en courant. L'effet domino est inarrêtable. Les uns emportent les autres dans leur panique. Les soldats comme les officiers dévalent le terrain pour se mettre à l'abri. Napoléon, du haut de sa colline, ne peut que constater la fin de son histoire. Les heures qui vont suivre voient les Prussiens s'acharner contre les Français. La retraite est pourtant couverte par la vieille garde, mais ses carrés sont vite pilonnés par l'ennemi et les hommes meurent les uns après les autres. C'est à ce moment que la légende s'est écrite pour Cambronne. À l'officier anglais qui lui aurait demandé de se rendre, il aurait refusé. Refusé car la garde meurt et ne se rend pas. Mais la citation a sûrement été inventée après la bataille. Quoi qu'il en soit, pendant que l'armée du Nord évacue la région, une question se pose à l'état-major. Où était Grouchy? Où était le maréchal qui devait empêcher Blücher de venir au secours de Wellington? Il était à Wavre, à 16 km du champ de bataille. Il aurait été trompé, dit-on, par la présence d'une arrière-garde en poste dans la ville. Pour Napoléon, la campagne de Belgique devait ramener l'ordre dans un pays en proie à la guerre civile. Vaincu,
Il n'a pas d'autre choix que de s'enfuir vers les Amériques. Il est alors à Rochefort le 8 juillet, mais son ministre de la police, Joseph Fouché, veut le livrer aux royalistes. Sans solution, Napoléon se rend aux Anglais. Au moins, même s'il finit dans les mains de son pire ennemi, on le traite avec humanité. Maintenant, l'Europe doit reprendre le cours de son histoire. Dans les épisodes précédents, nous avions vu que la période impériale avait déclenché une lutte des classes sur le continent. L'aristocratie réactionnaire défend l'absolutisme, la bourgeoisie veut du libéralisme. Comment l'héritage napoléonien va-t-il évoluer sur la scène politique? Est-ce que les grandes puissances vont réussir à étouffer les volontés de réforme? Est-ce que la légende de Napoléon en France va inspirer d'autres pays? Et la France, justement, comment peut-elle se relever après 25 ans de troubles? Les royalistes vont-ils réussir à faire revenir l'ancien régime? Ou la bourgeoisie va-t-elle transformer le pays en un paradis libéral? Cette vidéo était soutenue par notre partenaire Napoléon Souvenir. Que vous soyez collectionneur ou désireux d'enrichir vos connaissances, découvrez dès maintenant leur catalogue sur le Premier Empire. N'hésitez pas à visiter leur site internet, en cliquant sur le lien dans la section des commentaires, ou à vous rendre directement dans la boutique Napoléon, située à Paris.